à tous, c'est Pinucha 12 et on se retrouve toujours mal à la gorge dans une nouvelle vidéo de Zotikun. Donc vu que personne commande cette série, je vais l'arrêter. Non, plus sérieusement, je ne sais toujours pas comment on fait pour arrêter une mission. J'ai cherché sur internet ne m'a pas trop aidé, ou alors j'ai mal cherché. Donc du coup je vais fouiller dans les fichiers du jeu et au moment ce que j'ai fouillé voilà, c'est pas top ce que j'ai fouillé pour le moment. Donc pour changer, Crotte Hitler a été de retour avec les lags du j'ai le nez bouché aussi, je suis tout le temps malade. Voilà. Moi je te vois là, voilà. Donc il y a un zèbre commun qui veut faire des petits. Ce petit coquin. On n'a pas de zèbre commun. Et un chevaux de Prévalovski qui veut faire des enfants. Voilà. On ne peut pas faire plus simple. Donc le seul moyen de nous libérer de cette mission pour le moment, c'est de la faire. Donc et on est dans le négatif, je vous le rappelle. On va faire les trois spectacles et on va arrêter. Attendez. On va faire ça. On va. Comment on fait avancer? Là. Ici, on ajoute un repos pour que les animaux puissent se reposer quand même. Et puis voilà, celui-là, on va le renommer. On va l'appeler du monde. L'afficher 23. On va l'appeler. Attendez, c'est pas. Du monde, ça a été écrit ça. Ok. Ah mais non, mais là je redoble ça en fait. Ça. Plateforme du spectacle. Une faute. Voilà. Non mais ça je vais renommer. Voir modifier. Mais en fait toi tu sers quoi. Ok, non mais toi au pire mec je te prends. Ok, j'ai pas trop compris. Rainbow Dash vient de donner naissance. Donc c'est plutôt pas mal, regardez-le. Je vais le désentendre ce soir, faut manger comme d'hab. Regardez-le là, il est trop mignon. Oh, oh, il tête sa maman. Oh, il est trop. Il est bizarre. Sa maman est contente. Hein. Donc on avait mis un restaurant la dernière fois. Puis voilà, il est là. Ils ont toujours besoin des endroits pour s'asseoir, ce qui est illogique parce que ça bouffe dans un restaurant. Mais c'est peut-être ici. Donc ici on va mettre aussi un restaurant, comme ça il n'y aura plus de problème. On aura des restaurants partout. Hein. Ici on va être à des loutres. Parce que voilà. Et voilà. Ah, pas un zèbre. Voilà. On a le zèbre mâle que voulait l'autre. Parce qu'il y a toujours. C'est toujours les femelles hein, qui demandent de se reproduire. Si vous avez ce jeu, vous le savez. Les femelles veulent se reproduire, les mâles non. Ah, un Okapi Abiba, on l'a vu ça sous nos yeux. Donc on va aller voir le nouveau. Ah bah il est mignon. Voilà. Ça coûte combien 3000 le zèbre? Ah bah. Il attendra d'être habile zèbre. Ce zoo quand même il est bien hein, mais c'est cher. Je ferai peut-être un tour aussi en mode jeu libre. En mode jeu libre. Merde. Coup la tortue. On m'appelle la tortue. Je sais j'ai un peu de tordu. Je raconte pas n'importe quoi. Oulala, attention le prédateur. Prédateur, là on a une tête de prédateur. Ouf. Oh c'était violent. Oh la violence. Il a attaqué, il était content. Genre je sais pas. C'est une fausse proie, donc normalement.
Le mec, bah, il va s'acharner dessus, là il est content. Ouais, je l'ai tapé, je suis trop content. Hop. Alors pourquoi vous courez, le mec? Je cours. Je suis un peu con. On va voir si du monde regarde un petit peu de tacle. Ah, ils ont pas l'air contents, hein. Pourquoi? Pourquoi t'es pas content? Ah, à la fin. Ces mecs, quoi, ils sortent du spectacle, ils sont pas contents. Oh là là, j'ai faim, c'était de la merde. Alors vous aussi, hein, si vous savez pas comment dire que quelque chose est nul juste pour le plaisir, dites, oh là, j'ai faim, c'est trop pourri, il y a même pas un truc pour manger. Je vais être un stand de sucrerie, enfin de gâterie, juste à côté. Comme ça, les mecs, ils peuvent bouffer en regardant le spectacle. Il faut que je rentre dedans. La téléportation, ça marche. Voilà, on enlève les crottes. Arrête d'en faire. Parce qu'il y a des crottes partout. Qu'on l'a nettoyé il y a combien de temps? 6 minutes. Alors, on a un animal en caisse. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Ah bah pourquoi? Mais il y était. Alors, t'as tout ça pour bouffer. Bouffer ici, quoi. À un moment, mais zèbre, je sais, il me faut juste de l'argent. À moins que tu m'en passes, c'est un peu dur. Alors, faut avoir de l'argent. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Mais de lobby, mais merde. Mais nos spectacles peuvent pas marcher si vous amusez à mettre des animaux en cage. Là. Qu'est-ce qu'il fout de l'autre côté? Ok, j'ai trouvé. Ah, les spectacles vont être meilleurs, lol. Et où est-ce qu'on voit notre popularité? Toujours, toujours pourri, hein. C'est popularité du spectacle, c'est pas popularité de la zone de spectacle, mais c'est... J'ai l'impression que c'est un peu buggé, hein. Voilà, ici, score du spectacle. C'est un peu buggé, leur truc, là. Parce que... La joie avec la boussole, tout ça. Ah, eh ben, refuser le défi. J'avais pas vu. Pendant tout ce temps, je cherchais, alors que c'était juste là. Ok, les gens, officiellement, vous pouvez me taper maintenant. Vous pouvez me harceler, vous pouvez me dire dans les commentaires. Ouh, pinucha, douce, caca. Alors, vous regardez peut-être. Peut-être vous avez pas écrit de commentaire, tout ça pour m'humilier. Et franchement, comment j'aurais pu deviner? Un gadouk, comment j'aurais pu deviner? Tiens, j'ai déterré une balle de jeu. Amuse-toi avec. Viens, on s'amuse. Elle s'en fout. Ah non, regardez. Elle a la poursuite de la balle. Attendez, je vais l'envoyer. Ok, non, en fait, elle s'en fout réellement. Hein. Donc on va les mettre à des animaux qui s'intéressent aux babales. Hein, parce que là, c'est pas possible. Tenez. Du coup, bah vous... On peut arrêter, hein. Bon, après l'affiché 26, hein. Bon, les gens, comment vous dire, on a un peu fait un number de même. Non, c'est pas grave, pas grave. C'était prévisible, hein. En fait, depuis le début, je fais genre, oh, comment faire? Oh non, cette mission va être bloquée, il faut vite que les... Non, mais, en fait, je l'ai fait exprès, hein. Vous doutez bien que je le savais, hein. Hein. Pas genre. Et toi, ça va sinon? Oui, il a l'air. Hein. Et tu peux pas atteindre les extrêmements d'ongulés. Alors les ongulés, pourquoi on appelle ça des ongulés? Parce que c'est des animaux qui ont des ongles. Donc techniquement, nous sommes des ongulés. Regardez, cet animal a des ongles. Bon, ok, c'est des sabots, mais c'est des ongles les sabots, normalement. Quoi? Eux, ils dorment, mais ça a l'air. T'as le petit qui revient. Maman, c'est bon, t'as bien tout fini de chier. Ah, la gazelle. Gazelle, Tom's. Oh, pendant les 3000, on les claque direct pour que... On ait une femelle qui se soulage. Enfin, ça devrait être l'inverse, hein. C'est plutôt le mâle qui devrait se soulager, hein, si tu vois ce que je veux dire. Là, c'était assez macho, ce que j'ai dit. Assez dégueulasse. Parce que... La femelle veut se soulager de quoi? De l'envie d'avoir un enfant? Je sais pas, le mâle, il voudrait plus se soulager. Je sais, parce qu'il veut sauter comme un sauvage sur sa belle dulcinée.
Voilà, c'est plus trop de l'amour, hein, si tu sautes sauvagement sur quelqu'un, sans raison, surtout. Mais voilà. Voilà. Ça lag, hein. Là, 8 FPS. Mais qu'est-ce que j'ai pour que ça lag autant? Je ne sais pas. C'est le caca. CJ, Lauriane. Jamais nous t'oublierons. Nous n'oublierons jamais. Enfin, peut-être. Donc, on va mettre le mal. Voilà. Maintenant, il nous faudra les chevaux de Prefatsky. Alors, ici. Ah. Un groupe de préservation en financement international propose de vous envoyer un animal dans le cadre d'un programme de reproduction. Le coût de ce transfert de ce manchot empereur est de 1000. Vous pouvez conserver l'animal pendant 2 mois. Si vous réussissez une reproduction pendant cette période, le groupe de préservation vous rembourse votre mise de fonds initiale et vous conservez l'animal et son petit. Si votre tentative de reproduction échoue, vous perdez votre mise de fonds et vous devez rendre l'animal prêté. Enfin, si un malheur arrive à l'animal alors qu'il est sous votre surveillance, un malheur tel qu'il ne se pourrait être rendu à son propriétaire, vous devez vous acquitter d'une amende. Or, ce truc, c'est plus... tu donnes 1000 pour gagner 1000. Et j'ai pas 1000. Donc, non. Puis, de toute façon, on a déjà des manchots. Je vais te dire. Les pas manchots. Lol. Alors, restaurant 1, c'est... un restaurant classique. Hein. On va l'appeler... Le petit cuisinier. Voilà. Le petit cuisinier. Après, on aura le grand cuisinier et l'énorme cuisinier. Alors, nouveau restaurant. Alors, on avait pris un restaurant classique. Et j'aimerais bien prendre un grand restaurant cette fois-ci. Même si ça sert à rien, hein, ils sont tous pareils. Mais c'est parce que j'ai envie de remplir cet endroit-là. Un bon gros restaurant, là, ici. Là. Un bon gros restaurant. Jamais vu de restaurant gastronomique dans un zoo, ce qui est à peu près logique. Sauf que toi, on va te fermer. Et qu'est-ce que vous en pensez? Le spectacle est à perfectionner et on a aucun truc positif depuis le début de la création. On a un petit truc tout pourri. C'est la fontaine de l'ennui. Toujours pas de chevaux. Du coup, on n'a pas besoin de mettre de l'outre. Hein, alors, qu'est-ce que je mettrais ici? Un truc pas cher, je pense. Ou alors un gros truc bien cher, c'est un mammouth, un koala, je sais pas. Un truc là, ça, je vois, je m'imagine la vie. Ouais, allez, je sais, je me lance, je vais mettre des loups. Ça coûte 60 000, un loup. Un loup comme ça, un loup gris, ça coûte très 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 cher. Et c'est mon défi. Alors voilà, défi. Mettre des loups. Officiel. C'est, je vais pas perdre mon sang-froid, je vais mettre des loups. Des loups gris. Ah, cela coûte pas trop cher, c'est pas. Je pensais, mais quand même, je pensais à d'autres qui coûtaient 60 000, mais. Non. Je suis trop en faillite pour. Alors, loup gris, la mission, c'est vous. C'est vous, mes petits choux. Des loups gris, ça va le faire, je pense. Alors, ça va être fini. Et ça coûte que 500. Et celui-là, il coûte 500 aussi. Bon. On va faire pause. Attendez. On va attendre que ça soit bon. Voilà. On va faire pause. On enlève tout ça. Hop. On enlève les trucs. Alors, je pourrais les déplacer, mais moi, je suis un mec comme ça. Attendez, est-ce que on peut mettre ça ici sans bouger? Ouais, ouais, on va la mettre comme ça. Vous, les gens, partez. Ouais, tu vas faire la queue un peu moins facilement, hein. Toi aussi, et toi, tu peux pas trop utiliser les toilettes. Donc, ça, entretien 25, entretien depuis le début 700, ok. Tout va bien, ouais. On met ce beau restaurant. Restaurant de la famille. Et puis ce serait bien de le comme ça pour caler des toilettes à côté. Et je cale des toilettes à côté. Ah là. Et toi tu t'es un peu con au milieu de nulle part. Ouais, décale toi.
Hop. Garde des fleurs. Pour toi, on va même te déplacer encore. Genre là. Je suis obligé de passer. Et on va l'appeler. Ok, il y avait des problèmes chez les bénis. Alors, le grand chef. C'est plus un cuisinier, maintenant c'est un chef. Hein. Alors, on va voir les guenouks en même temps. Hein. Bon, on va sortir de là aussi, parce que là, ça va pas le faire. Bonjour, monsieur. Ah, tu veux t'accoupler, mais... Ah, on a eu la... Yeah. Yeah, tu veux t'accoupler, hein? Où est-ce que je l'ai mis, cette autre zèbre? Autre balle, j'ai rajouté... Va à la rencontre de cette femme qui n'attend que toi. Va. Le mois est passé, c'est notre troisième année. Vous êtes contacté par un investisseur de capital risque convaincu qu'un zoo de qualité exceptionnelle était un investissement de premier ordre. Il est prêt à investir 10 000 dollars immédiatement. Vous devrez lui verser 40% des recettes provenant des dons jusqu'au moment où il aura réalisé un gain de 2 000 dollars au-dessus de son investissement initial. Ouais, de toute façon j'ai besoin de fric. On va pas dire non. Donc en gros, le mec, déjà il vient de nous sauver de la faillite, c'est plutôt pas mal. C'est bon les mecs, je vous passe 10 000 dollars. Par contre, je veux un revenu de 20% sur tous les dons que vous récoltez dans les boîtes à dons. Genre les boîtes à dons comme ça. Donc on va gagner moins dans les boîtes à dons. Donc il y a 20% pour lui. Mais on gagne 10 000 dollars. Voilà. Voilà, c'est tout. En gros, ça se résume à gagner 8 000. Qu'est-ce qu'il fout ici? Qu'est-ce que tu fous là, mon gars? J'ai rêvé là. Il y avait un gars dans la cage. Ok, je sais pas ce que j'ai pris moi, mais c'était pas mal. Hein. C'est pas rêvé. Il y avait bien un gars dans cette cage. Il a pas pu disparaître comme ça. Ok, il y a des choses pas très nettes dans ce zoo. Non. Ouais. Non. Alors comme ça, si vous mettez un... Okay. Donc il y a un petit easter egg, on va dire, dans ce jeu. Si un de vos dinosaures, peu importe un dinosaure, a très faim, et que vous mettez un adulte homme, c'est très important, hein, adulte homme, il ne mange pas que les autres, et ben soit il le bouffera, soit il attaquera, ça dépend si c'est carnivore ou herbivore. Voilà. Donc si vous avez pas assez de sous pour donner de la nourriture à votre tirette, bah on a des visiteurs, c'est pas cher. Hein. Surtout qu'ils payent leur place pour être bouffés. Tu peux pas attendre le retour des guenouks. Voilà, le retour des guenouks, voilà, je l'attends. Je suis trop fort. Pas bugué. Les bois, guenouk. Les bois. Les bois. Mais va pas respecter les branches, t'as soif. Pas très net tout ça. Hein. Bon, on va commencer l'endroit des loups. L'endroit des loups-garous qui ont disparu. Ils ont disparu. Ce n'est pas grave. Une girafe a soif. Eh bien, va boire. Ouais, si t'as soif, tu vas boire, quoi. C'est la base. Oh, regardez. On est sur un dauphin, enfin sur un lobicéphale. Lobicéphale, c'est un dauphin. On va pas percher. Oui.
crocodile du Nil ne peut pas atteindre le mangeoir qui est trop près. Bah, casse-toi le mangeoir, comme ça, t'es sûr de pas l'atteindre. Ah, je suis méchant. Et j'aime ça. D'être méchant. Bon, au final, dans cet épisode, bah, on aura une girafe à faim. Un manchot est mort. Girafe, juste si tu as faim, va pas toiletter ton pote, va bouffer. Oh, c'est pas possible. Ah, c'est les enfants, hein, Pandarou. Hein. Pandarou. Je sais pas quelle barrière il faut pour les loups. Je pense que des barrières en bois ça suffit. Je sais que les barrières en pierre ça va. Voilà. Alors on va commencer quand même à faire la zone des loups. Ah bah attendez. Du coup ça et ça sert à rien. Hop, voilà. Vu qu'on a un resto, donc autant vous dire que voilà, hein, on a un resto. D'ailleurs, on va même rechercher le nouveau resto. Donc là, niveau sous, ça va. La faillite, on la voit plus dans les yeux pour le moment. Ah, ça c'est trop des orques. J'adore les orques. La statue d'élan irlandais. Ah bah cool. Ouais, par contre, après, il faut la placer. Ben voilà, elle est bien, hein. On a trop de statues, les gens. Les statues se font trop nombreuses, Michel. Voilà, on a... Ben, regardons la statue, là. Ouais, c'est le statut d'élan. Et la girafe, elle est toujours faim, mais c'est une girafe. Les turettes, ouais, 80 000, ouais, non. Ah, bah revoici nos amis les loups. On va tous les enlever, donc sauf les loups. Oh. Et on mettra fin à ce qu'il... Ce truc que j'aurais fait ma zone. Donc on va faire un petit chemin de style brique. Ouais, il veut se coupler, cheval, comme d'hab. On va faire leur enclos d'abord. On va faire en brique. Alors là, je mets des briques avec que des murs où on verra rien à travers. Mais c'est fait exprès, hein, pour le moment. Voilà, hein, c'est fait exprès. Ne vous inquiétez pas, c'est géré. Normalement. La recherche du restaurant a été terminée. Une entrée ici. Une entrée par là. Une entrée ici. Donc là, on va mettre des petites fenêtres. Parce qu'il faut quand même laisser des endroits avec des où il n'y a pas de fenêtres pour l'intimité des animaux, ce qui est très important. On peut leur mettre des abris, mais ça leur suffit pas. Je vais me tromper. Hop. Hop. Un petit coin éducatif où les loups peuvent être touchés comme bon nous semble. Et puis voilà. Donc les gens, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Hein, tout en mettant, tant que je parle, je mets ce restaurant. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai trouvé comment abandonner une mission. Hein. Bien sûr, je vous rappelle, c'était totalement fait exprès. Hein.
Il n'y a pas de... Je savais pas, hein. C'était tout à fait prévu. Hein. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé et que... Voilà, j'espère que vous avez aimé, tout simplement. Donc on se... Donc laissez des commentaires si... Voilà, hein, parce que la série est bientôt terminée, donc voilà, laissez des commentaires, puis voilà, c'est ce que j'ai à dire. Sinon, bah voilà, voilà, c'est voilà. Bon allez, salut à tous, laissez un pouce vert, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et à la prochaine, salut!